Allez, bougez-vous. Fais gaffe!
dégâts. Sur ses plans. Tenez la voix. Oh!
Que voulez-vous ? Excusez-moi, Sorion est où ? Je... Capitaine. Thank you.
Je suis désolé.
ma gratitude éternelle. Je suis libre, grâce à vous. Des soldats.
Bien. Le moissonneur des... Nous avons davantage de chances de les trouver si nous nous séparons pour fouiller différentes zones. Sinistre trophée. Oh.
haut. Croyez-moi, Tendi.
Alors. De Havre-Glace sont sur vous. Acceptez leur domination.
gros tir. Cette douleur. À l'aide! Y'a quelqu'un? À l'aide! Excusez-moi. Arya, pas ce qu'il pense. Ah!
Immondice ! Vous ne passerez pas ! Beau travail. Par les flancs. Qu'est-ce que vous faites là ? Il faut qu'on sorte d'ici. Vous ne comprenez pas. Le capitaine décidera de votre sort. Vous creuserez vos propres tombes avant d'en avoir fini. Ces idiots pensaient que ça paierait de trahir le capitaine.
son pouvoir ne cesse de croître. Ce n'est pas du tout ce que nous avions prévu. Il a trop de pouvoir! Je n'arrive pas à le contenir! Ce n'est pas normal. Son corps n'est pas comme les autres. Vous avez réussi. Vous me... Laissez jamais... Immondice! Vous ne passerez pas! Vite, on a un trésor à charger. Soldats, j'apprécie votre vigilance, mais les Argoniens du Bourbier Gris sont nos invités. Retenez-vous malgré... une nouvelle manifestation de zèle, ou je vous ferai lessiver la barricade. Trompez. Koutatei est une... Koutatei ? Bienvenue. Qu'est-ce qui vous amène? Je vous en prie. Nous avons toujours... Disparaissez si je voulais votre... Qu'est-ce que... Vous le regretterez, étrangère. J'ai vu mieux. Allons, je pratique. Trêve de questions.
Que se passe-t-il? Je suis debout. C'est comme si... La réunion? Pas du tout. Merci à tous d'être là. Nous avons entendu les protestations, mais si nous voulons nous installer ici, nous ne devons plus envisager de défier le domaine. Imbécile de l'FQ! Faudra-t-il ignorer l'enclos à esclaves qu'ils ont érigé autour de nous? Ce dieu des elfes des bois que vous vénérez vous embrume l'esprit! Ifre peut nous donner de nouvelles couvées, Slimja. La paix avec le domaine est notre seule chance de survie. Pendant que vous discutez avec les arbres, le domaine mesure nos poignets pour fondre nos chaînes. Je ne puis le tolérer! Slimja, où voulez-vous en venir? Où t'attends? Vous détournez notre peuple de l'Ist. Je vous accuse d'hérésie. Slimja, non! Voir Asitis! Nous devons. J'ai entraîné. Sur ses flancs. Vous ne pourrez pas arrêter mes éclairs. Vive Cétis! Slimja. Ah.
Allons, du calme. Je n'ai pas encore pris de décision. Et voilà. Le domaine compte nous chasser du bois de gratte. Mes éclaireurs ont entendu des bruits de lutte sur les plages. Voilà qui m'oblige à réagir. Si je ne peux expliquer la situation immédiatement, mes supérieurs l'apprendront et imagineront. Je ne vois aucun chasseur ici. Je n'ai d'ailleurs vu ni Utatei, ni Slimja non plus. Je vois. C'est tout ce dont j'avais besoin. Argonien du Bourbier Gris. Du moment que votre tribu prête allégeance au domaine, vous pouvez considérer le bois de gratte comme votre foyer. Si cela nous permet de nous installer, nous prêterons allégeance. Pas vrai, Shatuna ? Que les divins soient loués. Nous sommes prêts à tout. Je suis heureuse de vous voir si enthousiaste. Si vous avez des questions, je ferai de mon mieux pour vous répondre. Les bruyères ont toujours. Yeah. Vous là, halte! Il y a un grand danger devant nous. L'accès à point. Comment oui. Fait-il que vous... Ah, on a une belle vue ici, n'est-ce pas? Je parle de paysage. Ne vous faites pas d'illusion. Bon, allons trouver ce qui reste de moi. Essayez de faire efficace, ces crétins. Il pourrait y avoir des morceaux de moi dans tous les squelettes à la ronde. C'était mon fémur. Non! Attendez, mon fémur est tordu sur la gauche. Laissez tomber.
chatouille. Bougez! Regardez comme mes os sont sales! Moi, qui me baignais une fois par semaine pour rester présentable. Ah, voilà le dernier. Allez, vite, posez mes morceaux par terre et je vais me réparer. Goradir, qu'ont-ils fait? Ça ne se voit pas. Ils ont excavé mon tertre. Pourquoi? Ils n'arrêtaient pas de poser des questions sur les racines. Les racines? Pourquoi s'intéresser aux... Oh non. Je leur ai bien dit qu'ils cherchaient les ennuis. Mais ils ne m'ont pas écouté. Pensez-vous, ils sont partis droit vers le Galbranche. Imbécile. Hé, cette lamie, écoutez. Très brioche et vrai fatigué. Les Véos, elles se trouvent. Fameuse Amariette. Dringot, qui t'a rafistolé? Pas du tout. C'est à cause de enfin, toi que les adeptes du Vert sont là? Je vais laisser mon ami t'expliquer. Pourquoi? Qui vient déranger le cœur du Galbranche? Nirena, arrête ton numéro! Laisse-nous entrer! Dringot, qu'est-ce que tu fais ici? Qui est avec toi? Et pourquoi y a-t-il des intrus sous les racines du Galbranche? Dringot, qu'as-tu fait? Rien, j'essaie de vous aider. Une fois de plus, tu nous apportes la souffrance. Tu mérites pire que le bannissement cette fois. Thank you.
Dringot, qu'as-tu ? Qu'est-ce que tu vas nous coûter cette fois, Dringot ? Tu aurais dû partir, Dringot. Ulfras ne te pardonnera pas cette fois! Pourquoi, Dringot? Pourquoi revenir? Dringot, on t'avait banni, et pourtant tu oses revenir. Ulfras, écoute-moi. Nous sommes en danger. Des nécromanciens essaient de tuer le Galbranch. Tu nous annonces un danger? Dringot qui a rasé des nations par sa corpulence? C'est ton agitation qui nous a piégés ici. On trouve un grand nombre d'ossements d'elfes au verger des ossements. Si nous les utilisons tous ensemble, nous pourrons chasser l'envahisseur. Ensemble ? Depuis quand agis-tu pour quelqu'un d'autre que toi-même ? Une fois de plus, tu attires le danger, puis tu nous demandes de t'aider à l'éviter. Ça suffit. Tu resteras sous le Galbranch jusqu'à ce que le monde t'oublie. Des ennemis à la porte intérieure. Venez vite, nous allons repousser le culte du verre. Brisez les gens qu'il dérobe aux morts en sommeil. Ils n'auront jamais de nous, n'est-ce pas ? Allez sur ces flancs ! Levez-vous et protégez les racines. Levez-vous, mes amis. Levez-vous et terrassez les intrus. Je préfère ne pas... On m'a appelé... Le capitaine... Nous devons trouver ces éclaireurs. Les rues sont dangereuses. Nous devrions vérifier les maisons, comme des bons voisins, pour voir si les occupants savent où sont les éclaireurs. Pas d'éclaireurs. J'espère vraiment que cette odeur du domaine vient d'un animal. Ah.
Il n'y a pas d'éclaireur ici. Juste mon voisin. Je regrette, mais... Même si c'est sans des huit divins. Un arrangement intrigant. Ce n'est pas le... Je file, et je vous conseille d'en faire autant. Le feu, nous. Le maire me semble charmant. Nous devrions décider de ce que nous allons faire de lui. Les soldats. Les ours. Frappez-le en pleine tête! Empêchez-le d'approcher! Merci. Je peux fuir ce cauchemar. La ville est en ruine. Fuyez comme vous le pouvez. Ce n'était pas si difficile, hein? Allons, partons pour mon laboratoire. Il nous faut ce parchemin pour entrer dans la cathédrale. Ça ne sert à rien! Sortez-nous de là ou la foudre nous détruira! Il n'arrive pas. Il nous faut gagner l'endroit le plus. Vous voulez plus de foudre? J'en ai largement assez! Voilà pour la foudre! Vous en vouliez, vous l'avez! Que faites-vous? Vous pensez pouvoir me mépriser de la sorte? Que faites-vous ici? Et alors, ça vous regarde? Je refuse d'écouter vos sottises. Je vais vous montrer ce que j'en pense. Comme vous pensez pouvoir me mépriser de la sorte? Je vais vous rôtir en un coup d'éclair. De quoi parlez-vous? Vous avez raison! Vous avez tout à fait raison! J'ai repoussé tout le monde! Et après, j'en ai voulu à ceux qui m'avaient tourné le dos. Merci de m'avoir aidé à comprendre l'origine de mes problèmes. Pardon. Je ne m'y attendais pas. Nous devrions retourner à mon laboratoire à présent que l'orage se dissipe et tout. Mais où est-elle? Ah oui, sur mon bureau. Oui, par là. Vous voyez?
Partons pour la cathédrale. Nous sommes les dernières personnes que le maire s'attend à voir. C'est lui qui nous a poussés à nous battre. C'est le maire ? Attendez, je le reconnais. Je vais essayer de le raisonner. Qui va là ? Comment avez-vous fait pour entrer ? Partez, je veux rester seul. Maire Aulus, vous ne me reconnaissez pas ? Darnet, les divins soient loués. Tout est de la faute de ce Ogorat. Il s'est servi de moi. Et comment vous a-t-il utilisé exactement ? Il m'a promis le pouvoir et le respect que je mérite. Puis il a maudit ma langue en faisant un instrument de sa démence et m'a laissé mettre cette ville sans dessus-dessous. Vous êtes pathétique, même pour un mortel. Quoi ? Vous m'avez entendu ? J'ai toujours voulu rencontrer une personne à l'intérieur d'une personne. Dites-moi, ça fait quoi ? Je regrette, chez Ogorat. Je pensais que vous m'aviez abandonné. Oli ! Je vous ai laissé une langue qui rend les gens fous ! Mais si vous ne voulez plus de mon présent, je peux le reprendre dans votre bouche et le donner à ma nouvelle mortelle favorite ! Non ! Pensez à tout ce que j'ai construit ici, les merveilleux cris que j'ai créés en votre nom. Cela ne fait-il pas de moi votre favori ? Bon, très bien. Pardon, ma deuxième mortelle favorite. On s'est bien amusé, mais vous pouvez tirer votre révérence. Bon, je ne me souviens plus. J'ai déjà... Quel désespoir ! Je vois. Et que ce soit distrayant, voulez-vous ? Après tout ce temps passé en ville, je sais enfin où les Coloviens rangent leurs chapeaux en fourrure. Tout ira bien. Voilà l'occasion pour vous de tout arranger. Allez vous occuper du maire. Six pointes sud l'ennuie. Chez Ogorat partira. Je m'ennuie déjà. Tenez, je vous ai apporté des cadeaux. Ceux qui brillent. Vous ne pouvez pas. Ne vous inquiétez pas. Mais surtout pour la hâte et le sang. Croyez-moi. Ah, ah.
mot la balle. Vérifiez-le. Le pont est tombé. C'est mon ennui qui l'a emporté. Il s'est infiltré partout. C'était l'homme qui dansait dans mes rêves. Êtes-vous vraiment obligé de vous traîner de la sorte? Ayez un peu de panache! Un peu d'exubérance! Le souffle du Dieu enveloppe votre âme. Les lumières éternelles vous rendront... Ce n'est vraiment pas votre jour, mais... Choix... Merde ! Libre arbitre, viens par ici ! Je vais te présenter quelqu'un ! Guerre élégant, mais un peu de verve, trois traits de brio ! La base d'une fondue de splendeur ! De la fondue... Comment ça, pour me tuer ? Qu'est-ce que je disais déjà ? C'est un don, une occasion de briller et de prouver que vous n'allez pas vous briser en deux au moindre coup de vent. Vraiment, Oli, je vous aime bien. Des olives ? Qu'est-ce que je disais déjà ? Que vous m'appréciez, que vous ne voulez pas me regarder mourir. Vous regardez mourir tout seul et rire aux éclats tout du long, oh ! Ça ne me ressemble pas. Si ? Mais je suis sûr que vous pourrez résoudre le problème tout seul. Je vous en prie, ne faites pas ça. On peut peut-être trouver un accord. Ce n'est pas juste. Ma famille a régné sur Pointe Sud sur plusieurs générations. Mais quand nous avons tout perdu, mon droit d'aînesse devait-il disparaître ? Non. Hors de... Je partagerai le don de Sheokorat. Vous apprendrez à respecter mon pouvoir. Prosternez-vous devant moi. Prosternez-vous devant moi. Oh, c'était passionnant et déprimant. Pauvre Oul, et c'est pour... À bientôt, j'espère.
Eva, tout va bien ? Je vous en... Ne vous inquiétez pas, Eva. Je vous mènerai à la... Pas du tout. Votre ami et vous-même devez détruire l'encre noire, ou les autres seront morts en vain. Vous prenez toujours soin des autres plus que de vous-même, n'est-ce pas ? Le récit que fait Meva des crocs me donne une idée. Les crocs. L'heure n'est pas au bas.
faire prévenir le domaine de ce qui s'est passé. Almalexia voit de grandes choses dans votre avenir. Mais à vrai dire, je ne sais si elles seront bonnes ou mauvaises. Merci de votre aide. Si nous nous revoyons, j'espère que nous serons à nouveau alliés. Adieu. C'est exact.
La forêt chante. Je sens... Merci. Mon fils... Vous là, l'inconnu,
Que faites-vous ici? Rajin est... Voyons ce que révèlent ces pierres. Il doit y avoir plus à voir. Je ne trouve pas le sommeil. Et mon mari refuse de se réveiller. Quelle est cette cruelle farce? Où pouvons-nous apprendre d'autres? Cette salle, je l'ai érigée pour abriter un précieux trésor, loin sous votre cité ambulante. Je vous protégerai, et vous garderai des interférences. Pourquoi faites-vous ceci? Avez-vous le cœur aussi froid que cette pièce? C'est votre cœur qui est froid, Dame Nerume. S'il se réchauffe pour l'ombre de Rajin, vous ouvrirez à la prison de votre déni. Jamais! Je préfère geler jusqu'à la fin des temps, que partager un instant de chaleur avec vous. Ainsi soit-il. Cette salle protégera à jamais votre cœur glacé. Je laisse mon manteau dissimuler la honte que vous m'avez causée. Adieu. Et maintenant, nous savons pourquoi les fidèles de Falinest... Ne vous en faites pas.
êtes-vous ? J'étais ravie. L'ombre de Rani. Voilà. Venez, parlons du manteau de Rajin. Par ici ! Je suis là ! J'en sais très peu. Pourquoi vouloir ? Je suis piégée ici. Je ne sais que peu de choses. Montez l'escalier et passez la porte. Mon automate vous rejoindra au plus vite. Les soldats du général Endare n'étaient pas de taille pour la salle intérieure. Avancez prudemment. Ah!
l'aurai jamais. Pour le domaine, non. Vous ne pouvez pas survivre à l'ombre de Rajin. Vous avez réussi. Attrapez le manteau de Rajin pour pouvoir me libérer. Dame Merume, vous avez refusé mon amour, et maintenant je vous refuse le voyage de retour. Si vous me suppliez de vous pardonner de manière convaincante, je rapporterai la cité ambulante là où je l'ai volée. Quoi ? Cet immondice ? Il a pris ? Combien d'années de... Ils étaient terrifiants, même lorsque je projetais mon automate parmi eux.